pareil, on ne sait jamais comment commencer. Bonjour tous les chéris de Gironde. C'est un bon commencement. Bonjour tout le monde. Et tous les autres par ailleurs. Ça y est, on a réussi le début. C'est ça le plus difficile, le début. Alors, on ne vous oublie pas, on est resté... Hier, on a fait la vidéo, mais là, on la recommence. Parce qu'on a le caméscope qui fait des caprices. Ouais. C'est pas la Eagles, c'est le caméscope. Pardon. Et ouais. On a fait une magnifique vidéo super géniale, 25 minutes, une causerie, mais du tonnerre. Et puis quand on a voulu contrôler, ça nous a affiché carte pleine et rien n'a été enregistré. Oui, mais pour causer, il y a la miss, t'inquiète pas mon chéri, mes chéris, la causerie, elle est là, elle peut durer 3h30. Sans problème. Bon, donc oui. Aujourd'hui c'est quand même une causerie particulière. Ouais. Puisque ouais. Dans ta vie comme dans ma vie, il y a beaucoup de premières fois et il y a beaucoup de dernières fois. C'est que la première fois que ça fait mal, tout c'est bien. Hein ouais. Donc dans le QG, c'était mes premières vidéos, le tout début de la naissance de la chaîne, des premières vidéos avec toi. Oui. Oh, rapidement. Ouais, mais bon, ouais. Mais j'ai commencé avec, peut-être que ceux qui m'ont suivi, avec Ronde sans complexe. Mmh. J'ai éliminé toutes les vidéos. On m'a dit qu'il fallait pas, mais bon, c'est pas grave, puisque j'ai un peu laissé tomber. Je reviendrai quand même sur certains sujets de Ronde, parce qu'après tout, je suis toujours Ronde. Et c'est toujours un sujet intéressant. Oui, et je réagis toujours face à la discrimination, face aux ronds et aux rondes, parce qu'il ne faut pas oublier ces messieurs aussi, oui, bien même sûr. Si des choses s'améliorent. Donc, c'était les premières fois. Mmh. Aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on fait une vidéo au QG. Et comme tu le vois, il y a du bazar de partout. Il y en a dans ouais. tous les sens. Ouais, ouais. C'est le bazar et c'est crado. Mais vous avez vu quand même ouais. la belle rose qui vient justement du rosier qui du vent là à l'entrée. La dernière fois que tu auras cueilli une rose. Oui. Et c'est une vraie, elles sont super bonnes. La dernière fois que j'ai un logement fixe, ça y est, je vais devenir une vraie SDF, toi aussi, parce que tu n'auras plus mon logement. Oui. Oui, oui. Donc ça y est, on va être des vrais SDF. On parlera des autres appellations, nominations, une autre fois pour un autre, une autre vidéo. On n'a pas le temps parce qu'on a vu que vous êtes des passionnés et vous débattez vraiment passionnément sur ce sujet, oui. ce que je comprends. Hein. Bah, oui. Suivant les vécus, etc. C'est normal. La dernière fois aussi, je pense que je vais fermer la porte du QG. Je l'espère. Ouais, pas aujourd'hui, mais dans 2 jours. Parce que j'espère que ça va être vendu, quand même. Hein. Et la première fois que la vie va être vraiment beaucoup plus libre. Oui, on sera jamais... La liberté absolue n'existera pas, puisqu'il y a l'administratif, il y a les impôts, il y a les obligations, blablabla. Bla, bla. On est d'accord. On est toujours dépendant de quelqu'un ou quelque chose. Voilà. On a travaillé, toi de ton côté, moi du mien, dans nos vies respectives, pour avoir un maximum de liberté. Et là, cette fois-ci, on y a vraiment travaillé, puisque vous le savez, nous allons prendre la route en direction Espagne, Portugal, donc plus de douceur pour l'hiver. Seulement, nous avons de grands projets. Alors, je ne sais pas si on peut dire grands projets ou des longs projets kilométriques. Plutôt les projets longue durée. Ouais. Long dans le temps et long dans la distance. Oui. Voilà. Beaucoup de choses que nous voulons faire. Oui. Hein? Oui. Et je pense que toi et moi, on a envie de dire aussi que toi et moi, ben, on n'est plus toutes jeunes. Hein? Et quand je lis... Quand je lis, puis toi aussi, de toute façon, tu réagis, quand on voit par rapport au fait que nous soyons des femmes, que nous ne soyons pas d'une première jeunesse, il y a la santé, tu vois. Ouais, ouais. Mais mes pauvres chéris, si on se bloque à certaines choses comme ça, on ne fait rien. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a jamais, ni maintenant, ni autrefois dans ma vie, ni avant, c'est jamais quelque chose qui m'a bloqué pour réaliser un projet. J'ai jamais tenu compte ni le fait que je suis une femme, ni du fait que j'ai commencé à avoir un certain âge. Voilà. Ça, c'est vraiment où je ne parle pas la langue, où je n'ai pas d'expérience de quel ou quel domaine. Où tu ne connais pas le pays. Où je ne connais pas le pays. Ça, ça ne m'a jamais retenu d'y aller. Non. Voilà. Et puis, en plus, quand certaines, vous nous dites, mais vous n'avez pas peur, etc. Krissa, bon, elle, ça fait un an, bon poids maintenant qu'elle vit en camping-car. Ouais. Moi, ça fait plusieurs mois, nous avons fait ensemble des milliers de kilomètres. Petit rappel quand même négatif, c'est qu'il a fallu qu'on soit juste à côté du QG, voilà, dans un petit village bien gentil, bien mignon, pour se faire tabasser dessus. Ouais. Donc si vous voulez, ça, pardon, mais ça prouve à quel point, non, il n'y a pas de sécurité. Avoir peur, c'est bien pour être un peu prudent. C'est vrai, la peur, elle sert à ça, à être prudente, à prévoir, n'est-ce pas les mamas prévoyantes, voilà, on prévoit. Cependant, ça ne va pas annuler le danger, et si on reste enfermé chez soi, on va mourir de quoi? D'engraissement, d'un cardio qui veut plus bouger, de dépression, de toute façon, voilà. Donc le danger, de toute façon, c'est la vie, c'est le changement et tout. Et toi et moi, ben, on assume, on vit avec. Alors, on vit avec notre âge et notre physique aussi. Parce que c'est sûr que, bon, moi, je parle pour moi, oui, je ne vais pas aller faire du ski. Je ne vais plus faire de montagne comme je faisais quand j'étais jeune. Je ne vais pas faire de la varap, des trucs comme ça. Non. Je vis avec... Donc, si toi et moi, on peut un tout petit peu vous influencer pour y aller, pour concrétiser, etc., et bien là, on sera content. Vraiment. On sera heureuse. Ouais. Voilà. Vraiment, vraiment. Vraiment. Et moi, je suis beaucoup mon intuition. Je sens, par exemple, je cherche un parking. Ouais. Toi aussi, pareil. Oui, bien sûr. Je cherche un parking, je m'arrête. Ça m'est arrivé l'année dernière en Allemagne. Je me suis arrêtée à un parking. Je suis descendue, je me suis garée, je commençais à fermer et tout ça, préparer la nuit. Il était 7 h le soir, c'était en novembre. Je fais un tour avec Domino, mais je ne le sentais pas. Non, je ne le sentais pas. Donc c'est ce que je fais. Je suis remontée dans Foxy, je rouvert les rideaux et je me suis déplacée. Je fais 1 kilomètre de plus pour trouver un autre endroit que je sentais bien. Et toi, tu te souviens, à Dijon, à Dijon aussi. J'ai pas senti là. Et il avait aussi en Autriche une fois. Oui, à Spittal. Ah, voilà, à Spittal. Oh, j'ai pas senti le parking non plus. Voilà. C'est pas des gens, on n'est pas bien. On marche beaucoup, toutes les deux, on fonctionne beaucoup avec l'intuition. Alors, écoutez votre intuition, c'est très important. On dit toujours, les femmes, nous avons beaucoup de sens d'intuition, toutes les femmes. Et même si c'est exagéré, c'est pas grave. On s'en fiche. On s'en fiche, moi, mais je ne sais pas faire jouer la sécurité. Je ne sais pas comment toi tu fais, mais par exemple à Spittal ou à Dijon, je suis arrivée, j'ai arrêté Coquelicot et j'ai fait un petit tour. Voilà, je sors du camping-car et je vais à pied faire un petit tour pour voir. Je ne sais pas, il faut que je sente. Et là j'ai dit, non mais c'est même pas possible, c'est pas possible. Je monte dans le camping-car. J'envoie un petit mot à Cristal, je dis non, je peux pas là, c'est pas possible. Cristal ne réfléchit même pas, elle me dit ok, bon alors voilà, on passe à autre chose. Et toi, comment tu fais pour sentir? Mais pareil, pareil, je fais pareil, je regarde, je m'arrête, je regarde et puis, parce que des fois quand tu descends, quand tu t'arrêtes dans ton camping-car et tu bouges pas, il y a des choses que tu ne vois pas. Et puis on ne le sent pas. Et on le sent pas. À l'intérieur du camping-car, on ne sent pas pareil. On sent pas. Donc, faire un petit tour à pied. Voilà, faire un petit tour, regarder un peu. Et ça n'a même pas de rapport avec les poubelles, avec la propreté, avec, ça n'a aucun rapport. On s'est déjà arrêté à des parkings qui n'étaient pas vraiment super propres. Bolzano, en Italie. Bolzano, voilà. C'était pas super top. Super top non plus. Voilà. L'autre qui était magnifique, c'était un endroit super magnifique. On était bien installés. Je commençais à ramasser les poubelles et tout ça. Et on nous a dit, il faut partir parce qu'on ferme à 19 h. Il ferme le portail carrément. Donc, carrément. Mais ça n'a pas de rapport avec la propreté. Si on arrive à vous influencer pour déclencher le dernier pas qui va vous faire rentrer dans ce monde-là, faites-le, faites-le. N'hésitez pas. Et puis là, on peut Là, je pense que Krissa, petit à petit, elle va vous appeler aussi ses chéris parce qu'il s'est passé des choses phénoménales. Vous avez vu, vous avez entendu Jean et Geneviève qui ont été fabuleux. Ouais. Ensuite, toi... Stéphane, ouais, qui m'a abandonné comme ça sur le chemin. Moi, je trouvais ça génial. C'était fabuleux aussi. Super. Bon, moi, j'y étais pas parce que j'étais déjà ici au QG. Ensuite, il y a eu Patrick. Il y avait Patrick qui nous a débarqué. Voilà, qui nous a... on était grâce à nos vidéos. Ouais. Et puis un jour, j'étais en train de boire ma Ricorée, hein, ma fameuse Ricorée café du matin. J'entends toc-toc à la porte et c'était Dany qui venait pour une visite de groupe de petite église. Enfin, moi, elle se faisait un marathon historique dans la journée. Ouais. Et grâce au sticker, elle a su qui on était. Toc-toc à la porte. C'est une abonnée qui ne participe pas aux commentaires, etc. Ouais. Par contre, qui nous suit depuis longtemps et qui est venue toquer à la porte. Voilà. Et vraiment, on a adoré. Ouais. Ça nous motive, ça nous fait plaisir, on pleure comme des cruches. Et on a un nouveau abonné, Alain et sa chérie. Ah oui, oui, qu'on a rencontré à Eagles le soir où on se fait vider par la police. Pardon la chérie de Alain, on a oublié ton prénom, pardon. Je suis vraiment désolée. J'ai pas de mémoire pour les noms. Non, pardon. Et oui, vraiment, oui, oui aussi. Merci de vous être abonnés tous les deux. Voilà. On avait vécu la vidange que les policiers ont fait. Et en parlant de ça, on n'arrêtera pas le sauvage. Hein. Non. Ah non, 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 c'est hors de question. Nous resterons des SDF sauvages. Voilà. On revendique, tant qu'on peut. Ah oui, puisqu'on parle, je peux faire une parenté. J'ouvre une machin, je peux parenthèse. Alors, perds ton français. Ah oui, je perds mon français. Alors, on a parlé de mon panneau solaire et de régulateur du panneau solaire. Voilà, j'étais donc chez le concessionnaire. Impossible de trouver le régulateur. Et à 5 minutes, on l'a trouvé, enfin, parce qu'en fait, le boîtier que je pensais que c'est le régulateur pour le panneau solaire, on m'a dit au départ, c'est le régulateur pour le panneau solaire, c'est qu'en fait, non, c'est le régulateur pour le branchement 220. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Et bien évidemment, ça sonne bon. Et bien évidemment, quand je ne suis pas branchée, eh ben, il ne s'allume pas, c'est normal, il n'est pas alimenté. Voilà. Quand je ne suis pas branchée à 220, il ne peut pas s'alimenter. Donc, il y a 10 minutes, je me suis invitée à boire un café con leche. Voilà. Invitez-vous à l'espagnol. Hein. Enfin. Et on a discuté de ça. On a et ça me contrariait. Ça me contrariait pour ma grande sœur quand même. Ouais, ouais. Parce qu'elle n'est pas de régulateur opérationnel. C'est embêtant avec l'hiver. Et oui, Sybille, je pense à l'hiver. Oui. Et donc, c'est Ambre, j'ai ouvert la soupe derrière pour regarder autre chose. Et je me suis souvenu aussi, il y a un tout petit boîtier là derrière. Voilà. Et c'est Ambre qui a mis le doigt là-dessus. Voilà, ça y est, on l'a trouvé. Ça y est, on l'a trouvé. Bon, il a l'électricité, il a du courant, il est branché, il est allumé. Donc, il a rouge pour qu'il ne charge pas, jaune pour qu'il ait moitié charge et vert quand il est plein charge. Voilà. Il reste en jaune permanente. Et alors, je posais la question au concessionnaire et c'est effectivement ça. Ce boîtier ne va pas avec la nouvelle batterie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il décolle. Donc, il faut que j'investisse dans un nouveau régulateur qui coûte dans les 50 €. Donc, c'est pas... Il y a plein de chéris qui l'ont dit, hein, le quoi? Le MPPT. Voilà, le je sais jamais. MPPT. MPPT ou MTTP. Bon, enfin, vous savez ce que c'est. Donc, il faut que j'investisse là-dedans. Et avec ça, je serai... tranquille. Voilà. Le courant arrive, il n'a pas de faux contact, il est branché, donc il suffit de débrancher un et rebrancher l'autre et le visser. Donc avec le panneau en plus photovoltaïque, donc ça va être bon. Aucun souci. Donc ça c'est un souci de moins. Oui, ça là-dessus on est tranquille. Voilà. Merci pour tous vos conseils. J'ai bien regardé à gauche et à droite et effectivement je regardais aussi les vidéos de quelqu'un qui m'a Voyage Voyage. Voilà. Lui pour les tutos panneaux solaires, il est vraiment au top. C'est là où j'ai vraiment compris comment ça fonctionne. Par contre, le mec de Voyage Voyage, je ne sais pas quel est son prénom. Je sais que son fourgon s'appelle Michel. Voilà, mais lui, je ne sais même pas son prénom. Je crois Laurent. Ouais, Laurent François, je ne sais pas. Mais lui, par contre, là, j'ai vu une vidéo de lui. Ah oui, mais lui, c'est un professionnel des vidéos. Il a du matos, lui. Mais oui, mais c'est un pro, super réalisateur. C'est un pro. Mais les tutos techniques qu'il a fait là sur les panneaux solaires, c'est vraiment le temps. Moi, j'ai pas regardé parce que ça me saoule. Alors, une autre chose. Merci beaucoup pour votre aide et pour vos conseils. Voilà. Mais ça va dans les merci aussi. Parce qu'on vous aime, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'insiste lourdement, mais parce que les gens n'ont pas l'habitude. Des fois, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous n'êtes, mais moi, enfin, ça ne me dérange pas. Pour moi, moi, ça ne me dérange pas. Du tout. Vous n'êtes pas d'accord, ça ne me gêne pas. Au contraire, je trouve que ça donne d'autres idées. Il y a un débat. Il ne faut pas le prendre pour de l'agressivité. Et vous, entre vous, tentez de ne pas être agressif. N'oubliez pas, votre vécu, c'est pas le vécu du voisin, etc. Voilà. Vous choquez pour certains mots de vocabulaire que je ne reprendrai pas parce que c'est pas la première fois, etc. Soyez un petit peu cool. La cool attitude, elle est aussi dans l'écrit, dans l'échange. Ouais. Les gens qui s'abonnent, vous êtes tous des passionnés. Parce que, attention de pas prendre ça pour de l'agressivité. Voilà. C'est de la passion. Mais la passion. Ça nous fait la peine quand vous vous agressez mutuellement, ça nous fait mal parce que c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vous faire plaisir, c'est de nous faire plaisir, c'est de rendre heureux tout le monde. Bon, rendre heureux tout le monde, c'est jamais possible de rendre heureux toujours tout le monde. Mais on a un petit sourire. On n'est pas dans un pays de bisounours. Pourtant, moi, je suis fleur bleue, je vois toujours d'abord le bon dans tout le monde. Mais soyez un peu plus indulgent. N'oubliez pas que chacun a son vécu, etc. Donc, et puis vous exprimez avec passion. Bien sûr, la chaîne, bien sûr, la chaîne, elle n'est pas dans un sens unique, mais entre vous, la chaîne, elle sert aussi à ça, à un dialogue, à des échanges entre vous. C'est ça, pour moi, c'est ça. Et cet échange avec Krissa, le projet n'est que émis. On vous en parle un tout petit peu comme ça. Parce que ce que vous nous avez fait vivre en venant nous faire une bise, deux bises, tout ça, Patrick, Stéphane, Dany, Jean, tout ça. Du coup, on est en train de réfléchir maintenant que nous sommes de vrais SDF, on revendique. Nous avons... Vous savez, ça ne me fait même pas pleurer, ça. Même pas peur. Ben non, ça nous fait... au contraire, c'est l'explosion de joie. C'est la liberté. Donc, on a... Bon, l'envie, c'est pas encore le projet, c'est-à-dire une fois par exemple par an, par exemple je parle de Bretagne parce que c'était mon premier objectif de tentative d'aller en Bretagne. Par exemple, aller dans une région comme la Bretagne, y rester 3-4 mois, peu importe, parce que nous on n'est pas pressés, on va pas rester 2 semaines à un endroit, on peut rester 3 mois, 4 mois à un endroit. Par exemple, on vous prévient, on vous dit bon bah voilà, on débarque en Bretagne, les abonnés, les gens qui ont envie de venir nous faire une bise, qu'on échange un petit moment, vous vous faites connaître et on adaptera notre parcours en fonction de vous. Aucun problème. Ça peut être sympa. Après, on fera une autre région, etc. En passant, vous voyez, d'un morceau de l'Europe à l'autre. C'est pas encore au point pour l'instant, mais on creuse l'idée. Peut-être qu'on démarrera par la côte est. Maintenant, je ne vais pas dire le nom de la région, parce que comme ils ont mixé tout ça... c'est l'Occitanie maintenant. Oui, voilà. Peut-être par là, parce qu'en remontant de l'Espagne par l'est, je ne sais pas. On vous lance l'idée. Si vous avez des idées, vous nous les lancez aussi. Voilà. Hein? Toujours. Nous, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On va continuer. Ah, par contre, chose importante... mes étagères ne sont pas finalisées. Oui, les miens ne sont même pas encore commencées. Parce que la maman de Brandon a eu un souci. Ouais, malheureusement. Ouais. Bon, donc Brandon, pour le moment, il ne peut pas... voilà. Elle va se remettre, la pauvre, elle n'est pas gâtée. Bon. Donc, je vais finaliser, je vais coller les tasseaux. Je vous montrerai. Parce que Brandon avait fait le plus gros. Donc je vais finaliser la colle. Bon, Krissa et Brandon étaient un peu sceptiques, c'est pas grave. Je vais mettre de la colle à bois et après on verra. Inch'Allah. Je verrai bien comment ça évolue. La décoration n'est pas faite, je ferai la décoration petit à petit. Même dans la décoration, cool attitude. Hein. Moi, c'est waouh, voilà, tranquille. C'est ce qui est le plus urgent là maintenant, c'est vraiment de terminer tout ce qui est fait au QG, pour tout ce qui est à faire au QG. Pour pouvoir repartir, parce que tout le reste après, petit à petit, on peut le faire. Parce que sur la route, tes étagères ne sont même pas coupées. Même pas coupées, ça c'est pas coup de scie, je vais le couper et puis je vais juste visser, fixer vite fait pour que ça ne bouge pas. Et tout le reste, la décoration et l'habillement de notre nouvel espace découvert là. Mais alors je vous raconte même pas, c'est le bazar dans le QG. Il y a des gens qui doivent venir chercher encore des choses. D'ailleurs les fauteuils où nous sommes assises, donc c'est la dernière fois, encore une fois. Dernière fois pour cette table, dernière fois pour il y a le lit, dressing, etc. Il y a plein de gens qui doivent venir encore prendre des choses. Et les camping-cars, les deux camping-cars sont sales, intérieur, extérieur, sont dans un état lamentable. L'intérieur, extérieur, c'est le bazar. C'est bazar. Partout. On joue au Tetris. Nous avons vendu tous les aspirateurs. Oui, moi j'en avais deux, Christine en avait un. On a vendu tous les aspirateurs. Il me reste le balai. Comme mon amie Fabienne est à l'hôpital, bien évidemment. Je ne vais pas aller chez elle demander un aspirateur, on n'est pas quand même dans ce niveau-là. Hein. Donc je vais nettoyer comme je peux, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Non. Donc vous voyez, c'est le bazar, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait de vidéo. Hier, Krissa, tu as fait beaucoup physiquement de va-et-vient. Donc hier, c'était Krissa qui était complètement cassée. Ah, là, hier soir, j'étais naze, j'en pouvais plus. Mais j'ai terminé le tri. Maintenant, il suffit de transporter toutes mes caisses, tout ce que je veux garder chez le voisin qui nous prête une partie de sa grange. Qui va nous servir de box. Je crois qu'on a fait tout le tour. Mine de rien, ça fait beaucoup de choses. Et il reste encore du travail. Il y a des préparatifs pour l'Espagne que tu as fait. Elle s'en est occupée. Parce que bon, moi c'est vrai que j'étais un peu débordée avec agence immobilière. Les adaptateurs. Mon amie, bon, je vais remettre les clés à son mari qui va s'occuper de trouver des acheteurs pour la maison. Et Krissa, pendant ce temps, tu n'as pas eu les réponses des impôts? Non, parce que les impôts étaient absents, ils étaient fermés, tout simplement. À deux reprises, je suis allée aux impôts à Bordeaux. C'était une de mes raisons pour aller à Bordeaux. Je me retrouve assez fermé le jeudi après-midi. D'accord. Mais par contre, je reviens à Castillon, je me pointe vendredi matin au Castillon. Ah, mais c'est fermé le vendredi. Voilà, super. Donc, du coup, je n'ai pas mes réponses. Super. Je n'ai même pas pu poser les questions. Autre chose, tu as fait quelque chose, bon, moi qui m'intéresse plus. Hein. Quoi encore? Matériel, concret, Espagne. Les adaptateurs, pour GPL en Espagne. J'ai passé un temps fou pour trouver le bon adaptateur parce qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs trucs et je l'avais vu sur une vidéo. Et en fait, au bout d'une heure de recherche, je retrouvais la vidéo. Bon, et tu nous en reparleras. Le truc qui va bien. Ça fait Espagne et Portugal. Ça fait Espagne et, si j'ai bien compris, celui qu'on a en France, il sert aussi au Portugal. Bon. Donc, apparemment, il n'y a que l'Espagne qui nous fait des caprices. Vive l'Europe! Hein? Voilà. Parce qu'avec les deux adaptateurs, les deux petites coupelles, il y a des coupelles plus grandes et plus petites, on peut faire toute l'Europe, sauf l'Angleterre et sauf l'Espagne. Il n'y a que l'Espagne et l'Angleterre qui font des apartés. On vous tiendra au courant pour ceux qui veulent aller en Espagne et qui veulent du GPL. Hein. De toute façon, tout ce qui est matériel, technique et tout, on vous dit au fur et à mesure. L'aventure continue. Ta vie, ton aventure. Hein. Bon, bah, bien évidemment. Ma vie, mon aventure. Et toi, ta vie, ton aventure. Et vivez votre vie comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est un Allez, salut les chéris. À la prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao.